Salut Loïc. Ah ben moi aussi, je suis très content. Il est où? 6h du mat. J'entends miauler comme un malade et je descends comme un fou. Hein? Au bout de 25 jours, c'est incroyable mais vrai. Mon bébé. C'est incroyable là. Hein? C'est bien, il garde bien le chien. Bon, bizarrement, les deux là, ils se sont pas fait la fête. Bon, ils se sont quand même bien reniflés, tout ça, mais. Hein? T'es revenu? Hé, mon cœur, regarde qui est là. 6h du mat, il est venu me réveiller. Il crevait la dalle, je lui ai ouvert une boîte de sardines. Il avait faim, ce petit. C'est bien les fous, tu gardes. C'est good boy. Moi le. Ouais. Ah, bon, aujourd'hui, ça sera la journée des animaux. C'est toujours la journée des animaux, mais deux fois plus aujourd'hui. Je suis trop content. Après une boîte de sardines, je pense qu'il va se taper une bonne sieste, ce chat, non? Tu devais plus t'y attendre. T'as cru que c'était son fantôme qui miaulait ce matin. Tu m'étonnes, si j'entends miauler, je me dis putain, mais qu'est-ce que c'est? Et puis ça a insisté, tu sais, il miaulait comme un malade. Mais vraiment, hein. Et du coup, je me suis levé de suite. Descendu parce que la porte elle est fermée le matin ici là. Ça là je ferme. Rick, qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire la sieste là? Premier truc qu'il a fait, il miaulait comme un fou. Et salut Steph, il est revenu, t'as vu? Et voilà, il s'est jeté sur la gamelle, mais il n'y avait plus rien depuis le temps. Moi je lui avais enlevé les croquettes, je les avais données aux chiens, hein, les fous. Et résultat, je me suis cogné là ce matin. Bref, résultat, bah, je lui ai sorti sa petite gamelle, je lui ai mis ses petites croquettes. Il les a mangées, mais on voyait très bien que c'était pas tout à fait ce qu'il attendait. Donc je lui ai ouvert une boîte de sardines nature. Il s'est jeté dessus comme un malade. Ah, et là, c'est une superbe surprise ce matin. Je suis tellement content. Généralement, je me lève pas à 6 heures hein, quand même. Petit café. Je profite un peu du calme du matin. Salut Patricia. Ouais, il a fait un grand voyage et puis en plus de ça, il a grandi, hein. Non, il est tout maigre, hein. Il est tout maigre ce con. Il avait plein de petites boules. J'ai regardé, il n'a pas un seul tic. Mais plein de petites boules comme ça qui se sont enfermées dans ses poils. Donc j'en ai profité pour tout lui enlever là ce matin. On s'est fait un gros câlin pendant une demi-heure. Puis après, je me suis dit bon. Bon, j'ai un petit temps d'automne. Regardez-moi ça. Une belle lune. Fait un petit peu froid, mais il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. C'est lui qui est en train de se laver maintenant. Hein? Ben oui, Eric. T'es revenu, mon bébé? Ben oui. Ben oui, il est revenu, mon bébé. Bébé d'amour. Bon voilà, je suis très 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 content. Aujourd'hui, ça va être une superbe journée. Le vivant est de retour. Tout le vivant. Tu vas voir que maintenant, il va me ramener sa gonzesse. Et puis ses petits, ils sont où? T'es chez tes enfants?
Tu vas me ramener toute une clique de rouquins. Va faire une équipe de rouquins. En pleine forme, il a, à part le fait qu'il soit maigre, il a encore 2-3 boulettes par-ci par-là. Il est vraiment génial. C'est toujours le même, les fous? C'est toujours le même? Bah oui, oh là là, oh là là, il m'avait manqué ce petit chacha. Hein. Il nous avait manqué. Hein. Voilà, bah écoutez, c'était juste pour vous annoncer cette superbe nouvelle pour moi en tout cas. Je ne vais pas vous tenir la jambe ce matin. Je tâcherai de vous faire un direct dans pas longtemps là, puisque j'espère que vous avez été voir la vidéo avec le partage de Boris que je vous ai mis hier. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu longue, mais vous pouvez la regarder. C'est magnifique, hein. Mais bon, il fait froid un peu, hein. Il doit faire 12-13 degrés, pas plus. Et puis en plus, il y a un petit vent. Le sanglier, ouais, t'as vu ça? Merci Loïc, bonne journée. Voilà, bah écoutez, bonne matinée à vous, bon courage pour ceux qui travaillent. Je pense à... Merci Patricia, je pense à mon Steph et à mon amour, bien sûr. Bon courage, travaillez bien. Moi, je vais me réveiller doucement, je vais un peu lui faire... lui enlever les trucs qui lui restent encore. Et après, ben, on va s'attaquer au jardin. Sylvie, salut à toi. On est enfin heureux, c'est sûr. Salut Francis. Bonne journée, New, mon bébé. Voilà, aujourd'hui, il y a The Revenant, Rick, le tueur. C'est le nettoyeur maintenant. Bon, il va falloir que je lui fasse une ouverture là-haut parce que j'ai mis une moustiquaire. Donc il a un petit peu de mal à passer, mais on se voit dans 15 jours, ok? Merci d'être passé. Et bon courage à tous. Moi, je vais terminer mon petit café, puis je vais arroser mon jardin. Vous montrer tout ça, mais je sais pas si vous êtes chaud à la rigueur, mais bon, je préfère vous montrer tout ça. Salut à F, Aline. Tu vas aux champignons ce matin, Francis? Eh bien, c'est génial. Moi, je pourrais pas y aller parce que il a fait trop sec. Hein. Il a fait trop sec et je pense pas qu'il y en ait un seul chez moi des champignons là. Ça c'est bon en tout cas. Voilà Yualou, eh ben écoutez, merci d'être passé ce matin aussitôt sur ce petit direct. Je vous en prépare un très très prochainement. Hein. On est quoi? On est mardi, je crois. Quand tu vis au jour le jour, ben, c'est tous les jours le jour, quoi. Et quand tu vois ça s'annonce vraiment trop bien. Voilà, allez, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne matinée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.